Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique un moulin à vent. On appelle ça également une roue à vent ou un virevent. Donc, c'est assez simple. On prend une feuille de papier et on fait comme si on allait découper un carré avec cette feuille. Donc, je le plie une première fois dans une diagonale et je continue à je replie une autre fois, toujours en diagonale. Donc là, je vais découper pour enlever le papier qui est en trop. Puis là, je vais déplier et pour éviter de couper jusqu'au centre, je vais marquer avec mon bouchon de liège des repères. Pour savoir où je dois m'arrêter quand je vais couper le long des diagonales. Voilà, là je vais découper le long des 4 diagonales en m'arrêtant bien donc au repère que je viens de faire. Là, j'ai fini de couper. Je vais rassembler tous les coins, enfin un coin de chaque triangle vers le centre. Donc, c'est pas difficile, mais il faut bien tout tenir. Alors, on peut aussi piquer l'épingle en prenant un par un les coins. Voilà. Donc là, j'ai bien rassemblé un coin de chaque triangle en sortant. Et je vais les faire tenir avec mon épingle. Je rabats le dernier et je vais piquer l'épingle au centre. Donc voilà, j'ai bien piqué l'épingle et je vais placer dessous un tout petit morceau de paille pour faire un peu d'espace entre le bouchon et le moulin à vent. La paille est partie, je la remets et là je vais planter l'épingle dans le bouchon. Donc, je peux planter dans le sens que je souhaite, donc là, je peux faire planter en vertical et je vais mettre mon bouchon dans une bouteille. J'ai mis un peu d'eau dans la bouteille pour pouvoir la faire tenir bien droite. Et voilà notre moulin à vent, notre virevent en action.